Ramonet là. Le gars avec le bandana en rouge, désolé, mais tu travailles, normalement tu devrais pas être derrière le comptoir à côté de la bouffe. Voilà. Normalement toi-même, en étant quand même du pays, consommateur quand même de la bouffe, pas forcément du snack élisé, de Galeria, mais tu devais dire non quoi. Tu devais dire non que tu travailles pas là pendant qu'on fait de la bouffe. Alors, voilà. Alors on est comment là? Regardez, le gros patron il est debout là, la porte est ouverte. Il y a un escabeau à terre et plein de poussière. Il y a même un découpage de métal qui se fait sur le comptoir et tout. Des appareils, vous voyez, tous les appareils sont à terre. Même, on fait quoi là? On fait quoi? Comment on est? Sincèrement, comment on est? Est-ce qu'on doit subir ça toute notre vie à manger que de la merde? Voilà. Peut-être passer au max et puis on va voir comment on sera demain. C'est pas normal quand même. Arrêtons. Moi, je vais acheter une bouffe tout à l'heure et je dépose plainte. On va me dire que voilà, c'est moi qui ai mis les particules de métal, de poussière dans mon repas. Non, mais quand même, faut pas abuser. Voilà, le petit antillais qui veut ouvrir son petit snack pour essayer de voir devant, comme on dit, avec les moyens qu'il a eu par rapport à ses parents ou les petits jobs qu'il a fait, l'inspection d'hygiène va arriver assez vite sur lui, tout en sachant que tout est au nom chez lui. Et malgré cela, le fait qu'il ait peut-être une bonne réputation ou bien un bon emplacement, on va chercher à le faire dégager parce que c'est un petit black. Et là, Snack Élysée, je ne sais pas qui a Snack Élysée, mais le truc qui se passe, c'est que moi, je ne vois pas d'inspection d'hygiène en ce moment. Moi, je vois juste qu'il y a des travaux qui se font. Et voilà, en même temps qu'il y a de la bouffe qui se vend. Et voilà. Je vais même passer de l'autre côté par le drive pour filmer que les gens sont en train de vendre la bouffe en tant qu'il y a des travaux. Un instant, hein, je ne coupe pas, garder position, et rester à l'écoute. Et puis voilà, on verra. Il n'y a pas de problème. Et c'est ouvert, hein. C'est ouvert, hein. C'est ouvert. Snack Élysée Galeria. Mais je regarde, hein. Je regarde. Bon, ben laisse tomber. Il y a du monde derrière. Oui, il y a quelqu'un qui travaille là. Hein. Il y a des gens qui travaillent. Ils sont en train de vendre de la nourriture pour les clients. Et voilà. Et en fait, il y a des travaux qui sont. Vous voyez, il n'y a pas le faux plafond. Il y a les câbles électriques qui sont en train de prendre. Il y a des gars, il y a un gars sur le comptoir. Voilà. Monsieur, est-ce que vous pensez que franchement, c'est normal?